Est-ce que ça va pour tout le monde? Comme ça, une idée qui vient, mais c'est peut-être pas le moment, mais il a tendance à... Si on bouge les barres de mesure, il change le tempo tout le temps et on pourrait pas plutôt changer les valeurs... plutôt que de changer le tempo, les valeurs de durée de notes, mettre des triolets. Par exemple, change tout le... tu me fais un exemple, je fais... Si je bouge les bar lines... Ouais, ou... un peu comme ça, tu veux dire? Ouais. Comme ça? Ouais, voilà. Tac. Et du coup, il change de... Il met différents de tempo à chaque fois. Ouais, parce que tu lui es en train de donner... Enfin, tu lui es en train de dire que les mesures ont des durées différentes pour toi. Et du coup, c'est pour vrai, compenser ça, il change le tempo. Tout ce que... Évidemment, ce qu'il peut faire est de... Tu peux enlever le changement de tempo, si ça ne te gêne pas. Mais tu ne peux pas changer les durées dans le sens où c'est toi qui as demandé que ça soit une mesure. Donc tu peux dire si tu veux, et je ne sais pas s'il est si intelligent, mais c'est possible. Tu peux donner des marqueurs, qui c'est, des marqueurs de division. Et tu peux dire que même les divisions ont... Par exemple, si je fais ça, je suis en train de changer les divisions. Mais si tu veux faire une mesure qui a un tempo, un time signature différent, il faut lui donner. Il n'est pas si intelligent. Pour le moment. Donc, peut-être je peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais a priori, si tu lui donnes juste un bar line, il pense que tu veux continuer le tempo de avant. Oui. Le mètre d'avant. Et il te change le tempo. Les tempos, on aura pas mal de trucs pour le... parce que vous voyez, c'est vraiment super précis. Il cherche de garder la synchronicité avec l'original. Mais vous pouvez être un peu plus souple et dire, bah, ça ne m'intéresse pas si ça... ça s'en va. Et donc, peut-être, vous pouvez même éliminer des tempi. On verra des opportunités pour ça. Mais ce que je voulais vous faire montrer pour le moment, c'est ça. Si je fais ça, j'ai un truc beau. Regardez. Si je fais ça, j'ai un truc mauvais. Si je fais ça, j'ai un truc beau. Sauf que j'ai une barre line ici qui me... Vous voyez par exemple, j'ai laissé une barre line ici. Et il m'a fait une mesure comme ça. Et une mesure super... un peu plus intense, évidemment. Si j'enlève ça... Ça va mieux. Mais si je le fais ici, par exemple, tac, et je joue les deux choses, je joue ça, et je joue ça,